Oui, ok, ok, ça va, j'arrive. Bon, j'ai un double appel, c'est la direction, faut que je prenne. Faut que j'y aille. Une urgence. Je sais. Et pour les vacances ? Il se passe quoi là? Le réseau est tombé? Non mais ça c'est sûr. Ouais, je te rappelle dès que possible. C'est une bonne solution. Ouais. Bon, Estelle, Michel, Tarek. Bon, j'imagine que vous êtes déjà au courant, le réseau Wi-Fi est encore saturé. Donc là, il va nous falloir renouveler la communication sur la surcharge auprès de tous les utilisateurs. Ok? Merci à vous. Ah, pardon. Demain, 14h, visio avec la direction. Donc là, tout doit être, mais impeccable. Ok? Je compte sur vous. Allez, bon courage. Merci. Hein. Il semble donc que pour l'efficacité et le confort de chaque salarié, les changements apportés aient été bénéfiques à tous. Eh bien, merci beaucoup, Noémie. C'est très clair. Comme d'habitude, nous allons pouvoir passer au point suivant à l'ordre du jour. Alors, Nathan, excusez-moi. C'est bon, tout est bon. Tout le monde est bien connecté au Wi-Fi. Je vois qu'on a tous une connexion au top. Nous allons pouvoir continuer. Nathan, nous vous écoutons. Alors, le bilan de la dernière implémentation, c'est bien ça? Alors, pour revenir sur ce que vient de dire Noémie, justement. Ça. Oui, allô? Comment va mon directeur réseau préféré? Ça va, tu t'en sors? Ouais, j'ai connu mieux. Enfin bon, on gère au cas par cas. Tu connais ça? Oh non, pas spécialement. Sinon, comment va ma directrice réseau préférée? Très bien. Tu veux que je passe te prendre? Non, mais moi, j'ai pas du tout terminé, là. J'ai eu des problèmes de saturation réseau et là, demain, j'ai une réunion super importante, donc non, je suis désolé. Tu sais, ce serait quand même mieux si ton réseau pouvait prioriser les flux applicatifs en fonction des besoins utilisateurs, non? Enfin, avec un bon fournisseur qui intègre automatisation, sécurité, IA, t'aurais même pas besoin de t'en soucier. Ça change la vie. Oui. Désolé, chérie, là, faut que je file. Bisous, bisous. Et pour les vacances?